Il y a l'adhérent Jean-Louis Deiris. Et bien, on va apprécier aussi l'attaque de Benjamin de Robert, un grand spécialiste de la fête. Allez, Benjamin. La sortie brandée pour Didier Waite, le premier écart. Avec une attaque Benjamin avec déjà la reprise sur la courbe droite. Et bien, il va la reprendre à nouveau sur le plus petit périmètre. Mais déjà trois écarts, le jury retiendra les sept meilleures figures. Allez, on voit que c'est le sauteur qui avait aussi un capital point avec le saut périlleux brillé de Guillaume Berbanzane. Et le mérite aussi de Guillaume au-dessus de la vache sans corde. Jeune coursière, puisqu'on sait qu'en course hollandaise, eh bien, tout le match débute en vache libre dans une arène. Eh bien, on voit Benjamin de Robert avec le quatrième écart, la cinquième figure au total. Voilà, Benjamin qui fait sauter une meilleure attaque de la coursière pour venir dessiner. Et Benjamin qui va attendre bien qu'elle regagne le bout de la piste. Ouais, toujours rythmé avec la bonne ambiance musicale. Et Benjamin avec, avec sûrement un des meilleurs de la sortie, Benjamin. Voilà, avec l'attaque maintenant sur la corde droite. Que dans cette sortie, c'était déjà la septième figure. Voilà, avec un très joli passage à la de Benjamin. La huitième figure, le septième écart au total. Cet écart est hors saut. Voilà, mais Benjamin qui va vouloir sûrement offrir une dernière attaque, le vrai vice à tout le public. Allez, Benjamin. Voilà, attention à la ceinture, attention à la ceinture, Benjamin. Ouais, bien, on voit que ça n'est, semble-t-il, terminé dans cette sortie avec...